Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Hier, une centaine d'habitantes ont manifesté contre la violence urbaine. Les forces de l'ordre interviennent. Résultat, saccage, décide de faire le siège de l'immeuble. Résultat dramatique d'un affrontement entre deux bandes rivales. Paris est peut-être la ville lumière, mais autour, dans les banlieues, pourquoi semble-t-il toujours faire nuit? Dans tous les médias, il est question de bandes rivales, de drogue, de violence. C'est la loi de l'actualité. Immédiatement, des dizaines de jeunes de la cité. Mais si l'on prend le temps de s'arrêter et de regarder, on découvre qu'il existe une autre réalité. Ici, comme partout ailleurs, lorsque les gens ferment leurs yeux pour dormir, ils rêvent de s'envoler. La seule différence, c'est qu'ici, certains d'entre eux volent vraiment. Le premier truc qu'on a fait, on a recherché qu'est-ce que c'est qu'un homme fort. Le mot fort, c'est un mot. Il faut l'assumer, c'est un gros mot. C'est un gros mot dans le bon sens. C'est-à-dire un homme fort avec le mot... C'est comme le nom de famille. C'est vous qui donnez les valeurs. Alors nous, on a donné des valeurs au mot homme fort. Et le côté être un homme, nos premières recherches de qu'est-ce que c'est un homme, nous a amené tout de suite au deuxième mot guerrier. Un combattant dans l'âme. C'est-à-dire... Et la définition du combattant à nous, c'est pas un combattant pour détruire, c'est un combattant pour s'améliorer soi-même. Le déplacement, ça n'a pas été inventé, ça existe depuis au moins la préhistoire. Puisque les gens pour chasser, pour se sauver, ils ont utilisé... Ça ne s'appelait pas comme ça, c'est sûrement qu'il n'y avait aucun nom d'ailleurs pour ça. Mais bon, il fallait qu'ils se déplacent. Vu qu'il n'y avait pas de pont, pas de passerelle, pas de truc, et ben pour passer d'une falaise à une autre, il a bien fallu qu'ils fassent un truc. Ils ont sauté, ils ont nagé, ils ont fait plein de choses. Personne n'a inventé ce mode de déplacement. C'est juste qu'on l'a adapté aujourd'hui dans la ville. Et nous, on a détourné l'usage. C'est fait pour... excusez-nous. Parce qu'il y avait cet endroit-là, on pouvait aller de là à là. On va aller de là à là. C'est une forme de liberté, c'est une forme d'expression, c'est une confiance en soi. Je pense qu'il n'y a pas une définition claire de cette pratique. C'est que quand tu expliques aux gens, tu dis oui, je grimpe, je saute, j'avance. C'est ça la définition. On leur dit aux gens, mais les gens ils comprennent pas. Ils ont besoin de voir les choses. Mais c'est seulement un état d'esprit. C'est une confiance en soi, c'est gagner une énergie, de connaître son corps, de pouvoir avancer, surpasser les obstacles. Que ce soit matériel ou virtuel, comme on dit, les choses de la vie. Tout ce qui te touche dans ta tête, tout ce qui te touche un peu le cœur, tout ce qui te touche physiquement, c'est ça.
fait, ici, là, on est à Sarcelles. On est dans le bois des coins. Puis c'est là que j'ai fait mes tout premiers entraînements. Et ça fait plus d'une dizaine d'années que je m'entraîne ici, quoi. Et sinon, la toute première fois que moi, je suis venu m'entraîner avec les grands, c'est-à-dire qu'avec mes grands frères, ses amis, cousins et tout, en fait, c'était là. C'était juste là. Ici. Là, j'ai fait mon premier passe-muraille, mon premier tic-tac. Qu'en fait, j'arrivais pas. En fait, je devais monter en haut, me tirer par le bras et puis je montais comme ça. Après, le soir, je revenais tout seul et puis je m'entraînais. Juste pour le faire tout seul. Je m'entraînais. Voilà. Et maintenant, j'y arrive. Parce que j'ai grandi. Vas-y, faut qu'il monte à deux. Là, j'essaye simplement de montrer l'utilité de la pratique. C'est comme je dis, c'est que on travaille beaucoup le physique, on travaille beaucoup les valeurs humaines qu'il y a aussi derrière. Et en fait, j'essaie de faire partager ça, quoi. Et puis, pourquoi là, j'entraîne des jeunes aussi, c'est parce que je trouve que c'est important qu'on préserve ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est eux qui vont essayer de communiquer ces pratiques-là, quoi. Mais représenter ceci, cela, c'est... pour moi, c'est juste transmettre quelque chose et puis faut pas que ça se perde, quoi. Faut que ça reste vivant. Je veux pas que c'est moi qui ai une pratique, que j'ai certaines connaissances et que j'écris dans un livre et que ça reste une pratique morte, entre guillemets. Moi, je veux que ça reste vivant. Faut qu'il y ait des gens qui le pratiquent, qui le vivent et qui en fassent l'expérience et qui sachent de quoi ils parlent. Ça, là, c'est important. C'est pas tes... C'est bon, on avance? Vous voulez faire encore autre chose ici? C'est la première fois. Ouais. Salto, vas-y, on va voir. Voilà, enchaîne. Ivry et Sarcelles, c'est vrai qu'il y a... Il y a des méthodes différentes parce que l'environnement est vraiment différent. Ici, c'est la forêt, c'est le bois, ça change constamment. Et que sur Évry, c'est tout ce qui est béton, quoi. Béton, ciment, briques. Puis on dit c'est dur, ça fait mal. Alors ça fait que c'est des gens qui sont beaucoup plus durs. Et ici, c'est des gens qui sont un petit peu plus légers, quoi. Mais sinon, dans la mentalité, c'est la même. C'est le même travail, c'est-à-dire il n'y a pas de secret. Si tu veux faire un saut, il faut travailler. Ça, il n'y a pas de différence, mais que c'est sur l'approche, vraiment, que c'est différent. Simplement l'approche. Mais je sais que quand je vois Yann, Laurent, qui ont grandi sur Évry, Chou et moi, sur Sarcelles, lorsqu'on se parle, on se comprend. On se comprend. C'est-à-dire que moi, je sais, je la ramène ici, il s'adapte, et moi, il m'emmène là-bas, je m'adapte. Yann, une fois, elle avait dit que la pratique était née là-bas, mais que c'est à Sarcelles que l'esprit était né. Sarcelles au nord, Évry au sud, sont les pôles de l'univers des Yamakasi. Entre les deux, une heure de trajet en RER en passant sous le cœur de Paris. Évry est une ville nouvelle, planifiée et bâtie de toutes pièces dans les années 70, au milieu des champs de blé, à 40 km au sud de Paris. C'est la plus jeune ville de France. Âge moyen, 26 ans. Ses habitants appartiennent à une douzaine de groupes ethniques différents. Yann et Laurent font partie de la première génération qui a grandi dans cet environnement sorti tout droit de l'imagination des urbanistes. Et c'est là qu'ils ont choisi de rester et de s'entraîner avec une nouvelle génération.
ce qui est bien dans ce que l'on fait, c'est qu'on est quand même les liens. On est les liens avec les gens qui ont peur de la hauteur, les gens qui n'ont pas peur de la hauteur. On est le lien avec les gens qui... les institutions et les gens qui sont hors institution. C'est-à-dire les mauvais, comme on dit mauvais, mais ils ne sont pas obligatoirement mauvais. C'est un peu un choix de vie, des fois. Donc moi, je pense qu'on est, le lien. Ce qui fait que nous, on n'a pas de problème partout où on passe. On a cette liberté d'être bien reçu. Quand tu pratiques l'art de déplacement, parce que c'est une pratique un peu atypique, et puis tout le monde en rêve un peu. Ça peut ressembler au jeu du gendarme et du voleur, mais attention, rien à voir. Leur plaisir, c'est échapper aux tentacules de la ville, pas à ses autorités. Alors une fois pour toutes, ils sont sportifs par plaisir et dans l'âme, ils ont faim d'aventure. Les Yamakasi s'adaptent au plus grand terrain de sport du monde, c'est la rue, la ville. C'est pourquoi ils n'abattent pas de montagnes, mais les avalent plutôt. Il en faudrait plus fin. Ben, c'est exactement ça, mais il faudrait plus fin. On ne ferait pas des bons cambrioleurs. Hein. Ben heureusement que vous n'êtes pas cambrioleurs. Par dessus. Vous êtes meilleur pour attraper. Ouais. Ça fait penser à quoi, la Dame du Lac? À la Dame du Lac, ça me fait penser à toute mon enfance. La première fois que je suis venu ici à la Dame du Lac, j'ai fait tous les passages. J'avais même pas... C'était encore un mur d'escalade. Ouais. Et que maintenant, ça a beaucoup changé, c'est très vert, c'est moins pratiqué. C'est plus pratiqué. Bah, c'est plus pratiqué du interdit. Tout. C'est interdit. C'est interdit depuis 2000. Ah. Tant qu'élu, moi, mon inquiétude, c'est d'avoir des gamins qui... J'en ai un notamment qui, qu'on n'a pas encore réussi à prendre, mais on a les témoignages de nombreux habitants. On en a un qui se balade sur la rambarde de la passerelle au-dessus de la rue Bérégovoy. Là, c'est super dangereux. Quoi. Le jour où il tombe, il y a une voiture dessous ou n'importe quoi. Ouais. Donc on a encore quand même de temps en temps des phénomènes. Alors est-ce qu'ils sont rattachés à l'association? Est-ce qu'ils sont extérieurs? Si c'est attaché avec l'association, c'est qu'on est présent. Hein. Ils ont un regard. Toutes les personnes qui sont avec nous, qui prennent des risques, c'est simple. La première année, quand ils sont entraînés par nous, la première année, ils ont interdiction de sauter. Donc ça veut dire qu'ils sautent pas. Tout le monde croit que nous, on commence par sauter. Non, on prépare. Parce que nous, on veut les arriver, qu'ils soient suffisamment forts, qu'ils soient juste en tant que mec normal, bien. Comme ça, quand ils commencent super bien. C'est des hommes qui travaillent. Donc quand ils travaillent, il faut respecter son boulot. Là, tu travailles bien, ils respecteront le tien. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile. Des principes simples. Voilà. Culture de vie. Vous l'avez grimpé plusieurs fois? Ouais, ça fait longtemps. Toujours un plaisir. La Dame du Lac, c'est les souvenirs des jeux d'enfants, ça. C'est les chats là-dessus, c'est quoi? C'est grimper pour jouer, c'est les fêtes, c'est les amis, de toute façon. Pour ceux qui ont vécu ici, qui sont amusés à grimper, ouais, c'est des bons moments, que des bons souvenirs. Bon, eh ben allez vous rappeler vos bons souvenirs. Allons-y. C'est parti. C'est génération Yamakasi, la Dame du Lac. C'est vraiment, ça commence de là. Tous les premiers qu'ils ont commencé, ils sont venus ici. C'était un bon centre d'entraînement, disons, où il y a toutes les bases. Grimper, sauter, courir, petit tic-tac. Il manque un peu les sauts de détente à pied. C'est vraiment ce qui manque un peu sur cette structure pour pouvoir s'exprimer sur les bases de l'art des déplacements. Et là, ça va vraiment à toute la première génération, ça va jusqu'à nos familles, nos frères, nos sœurs, Sébastien, David, moi, Tinaro, Rodrigue, toute une génération que tout le monde connaît pas, Fong, tout ça, que des amis quoi, qui ont passé des nuits, des journées. Ici, il y a des jeux qu'on faisait,
C'est des jeux un peu pour savoir si vous avez confiance en vos amis, si vous êtes dur physiquement. On se pendait là-haut, on se tenait par les jambes, on était en inversé. C'était des exercices de confiance entre tes amis. Donc toi, tu devais te lâcher, la tête en inverse, quand on est cochon pendu, tenu par les jambes. Et tes amis devaient te tenir. Donc celui qui est pendu, il a confiance en nous, mais ceux qui tiennent, ils ont peur. Parce que les mains, souvent, quand tu tiens quelqu'un dans le risque, ils viennent moites et t'as de la sueur. Donc nos bras, ils glissaient, mais lui, il le savait pas. Donc on était collés. On mettait tout notre poids pour tenir les personnes qui passaient. Et quand un passait, tout le monde devait passer. Ça, c'était un jeu qui était vraiment un peu fou. Il nous a servi un peu sur le plan de la confiance. Tu sais qu'après, si ton ami dit qu'il est capable de faire quelque chose, il le fera. C'est comme ça qu'on a commencé ensemble. On était un peu des enfants barbares à l'époque, comme les volley-balls avec des rochers. On prenait des rochers, on se jetait le truc et on faisait un volley avec. Ou on traversait les... Partout, c'était notre terrain de jeu, quoi. On s'adaptait vraiment à tous les environnements. Ben, en fait, c'était vraiment... C'est l'imagination. Et comme on était plusieurs à avancer, je pense que chacun d'entre nous a donné des choses. On a dit, oui, toi, tu passes comme ça. Ah ouais, moi, je vais essayer comme ça, avec un demi-tour. Donc, c'est petit à petit, l'imagination, elle avance comme ça. Et je pense qu'avec très peu de choses, on a réussi à avancer, à créer des choses. Chacun d'entre nous avait quelque chose, comme on disait. Il y avait une force particulière. Et on cherchait tous, c'est quoi cette signification-là? Et on s'est toujours dit, oui, c'est l'esprit fort. Et on s'est dit, oui, esprit fort. On ne pouvait pas s'appeler esprit fort, le groupe esprit fort. c'est pas normal. Donc, fallait quand on disait le nom, il fallait que ça soit qu'il y ait une puissance, qu'il y avait une énergie, qui donnait une raison de le dire et de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on pensait à esprit fort, se dire être fort. Corps fort, homme fort, toutes les choses sur la force. Et Guilain, il a dit, bah, y a ma casse, c'est... Et tout le monde s'est vu dedans, parce que c'est y a ma casse, c'est de l'Ingala, c'est du Zaïrois, mais il y a un côté d'Asie, il y a un côté Afrique, il y a un mélange. Et comme nous, on était tous différents, bah, on s'est dit, voilà, c'est ça. C'était y a ma casse, qui voulait dire esprit fort, corps fort, homme fort. Les arbres, ils étaient très beaux, la nature très belle. Elle nous racontait des belles histoires.
un jour, on a dit bon, on essaie, on va essayer de faire, de représenter, d'essayer de vivre de notre art, l'art du déplacement. On a dit avant de devenir Yamakasi, chacun devait prendre un choix individuel. Parce que chacun d'entre nous, on a dit pour devenir Yamakasi, il faut être capable d'assumer les valeurs de la pratique et de le représenter dans le temps individuellement. Donc chacun est rentré dans son coin chez soi pour savoir est-ce qu'il est capable d'assumer ses responsabilités par rapport à la pratique de représenter l'art du déplacement. Et voilà que les aînés abandonnent leur boulot et que le plus jeune quitte l'école à 14 ans pour risquer le tout pour le tout et inventer un nouveau métier. Spectacle, démonstration, la télévision et le cinéma vont leur permettre de vivre de leur art. Je pense que petit à petit, ça a démarré comme ça. On a fait la première émission qui est Stade 2, qui nous ont fait confiance. Après, tous les autres chaînes sont arrivées. Ça s'est fait petit à petit. Je pense que si tu crois vraiment en quelque chose et que tu en veux, voilà, les gens ils seront ouverts. En plus, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas habituel de se dire « oui, il y a une bande de jeunes qui font ça ». Au début, ils y croient pas totalement. C'est la classe. Non, franchement, c'est mortel. Yamakasi ! Luc Besson, c'est lui qui nous a vraiment laissé cette chance de pouvoir donner à tout le monde, dire à tout le monde qu'on existe, quoi. Mais pour nous, ça n'a rien changé dans la vie, dans le sens où on n'a pas changé nos habitudes. On s'en fout d'être au haut du sommet au niveau du cinéma. C'est pas ça le plus important, c'est la pratique, c'est l'amour du sport. En fait, la première chose qui nous a vraiment touchés, c'est que par rapport aux gens, ils ont eu un nouveau regard parce que chacun d'entre nous était tellement différent. Comment c'est les présentations ? Il y avait des noirs, des blancs, des jaunes. Et c'était vraiment la première fois où tu voyais ça à l'image, quoi. C'était pas toujours l'image des gars de banlieue qui foutent leur... Voilà, je veux dire, c'était vraiment comment représenter la banlieue, mais d'une façon positive. Tous les gens qui nous connaissaient avant, depuis qu'on était tout petits, qui nous voyaient nous entraîner dans les années 90, hein. Vous allez dire, la tête qu'on avait, comment on bougeait, ils savaient de quoi on était capable, vraiment. Puis la première fois qu'ils ont vu le film, ils ont dit « Ah, c'est ça ?» Moi, ça m'avait touché. J'ai dit « Quoi, c'est ça ?» Je dis « Attends, on a traîné ça avec moi ?» J'ai dit « Oh, c'est ça ?» J'ai dit « Attends, on a travaillé comme des malades, on a travaillé. » Même si c'est pas le film qu'on disait Yamakasi, mais tu me dis « Oh, c'est ça, le film Yamakasi ?» Il n'y a même pas Sarcelles, il n'y a même pas le bois, tu m'ouvres même pas. J'ai dit « Ouais, mais voilà, c'est un film, tu peux pas tout faire. » Et moi, ça m'avait touché, et j'ai dit oh. Et puis ce film va sortir et puis on va dire « Toi, t'es comme ça, Yamakasi, c'est comme ci, comme ça. C'est comme dans le film, tu t'appelles l'araignée, toi, baseball, toi. » Et dans Yamakasi, je me rappelle que nous, on disait « super-héros », quoi. Je disais « Ah non, mais faut que tu restes humain, quoi. » Je pense à pousser d'ici, là. Celui d'en bas, pas celui d'en face. Juste le fond, voilà. Ça, c'est ça qui est important. Fais-le en charge. Bloque ton poignet et c'est tout.
Pas grave, vous voulez gêner. Il y a un passage à droite. C'est ouvert à droite. Allez-y. Bien. Père. Bien. Super. Prends ton train là. Bon, récupère un peu là. Allez, termine alors. Ce que j'explique, j'apprends à tous ceux de l'association. Yamakasi, c'est un travail sur soi. Les gens ne doivent pas sauter pour Yamakasi, ils doivent sauter parce que soit ils aiment ça, mais pour eux-mêmes. Pour avoir une notion de je suis. Super. Je dis à tout le monde, appropriez-vous cette chose-là. Quand elle sera à vous, vous saurez la pratiquer. Donc on peut être pas très fort, mais s'approprier quelque chose à soi. Ça veut dire avoir de l'amour, quelque chose dans le cœur qui vous ramène ça. Allez, comme d'hab. Ton de réaction. Allez, tout de suite. Et du jus, là. Allez. Allez. Super. Bon, Mickaël, t'as pas encore tout saisi le truc de la pratique l'art du déplacement. T'as un cœur de lion, comme Alain, il a été un moment. Et là, tu es cœur de lion, mais le seul problème, c'est dans ton plan tactique, et un peu sur tous les sauts, tout ça, là. On doit refaire un point parce que c'est pas... Disons, les maillons sont pas bien mis. Il y en a, ils sont décrochés. Ils sont mis un peu pas dans le bon sens. Le A et le Z, on va tout, faut tout remettre en, dans l'ordre dans ta tête. Hein, lui, il a juste à suivre son évolution. Il est bien parti, il n'y a rien à dire. Bon, sinon, c'est bien. C'est Réka très bien. Comme d'habitude, ça fait plaisir. Voilà. Tous les enfants des villes nouvelles ne vivent pas dans les villes nouvelles. Aujourd'hui, quelque 60 mineurs sont incarcérés dans la plus grande prison de France, où Yann et Laurent sont invités à donner un stage. C'est marrant qu'on vous disait ouais, que ici tout le monde est bien occupé. C'est vrai qu'ils se sont pas... Vas-y, je dédicace à tous les zonards, Clichy 92. Je dédicace le 7-7, Lannes-sur-Marne, hein, Corsair, Orly Park, Réputiel. Si, si. Je dédicace tous les 20-1, la CR19, Rudy, Adi, Mamadou, tous les potos. 20-1 en force. On n'est pas dans un truc de concurrence. On a fait un travail de fond afin que vous deveniez meilleur. Pour que quand vous arrivez, vous faites n'importe quoi, vous êtes deux fois plus performant. Que là, vous êtes tous fatigués. Il y en a beaucoup qui sont fatigués. C'est pas parce que vous n'êtes pas capable de tenir l'entraînement. C'est que vous êtes là. Vous faites les foufous. Alors, ce qu'on vous demande pour aujourd'hui, c'est simplement d'essayer de tout tenir. Pas de à fond et vous tenez plus. Et ça y est, vous croyez que vous n'êtes pas capable, vous tenez pas. Et c'est faux. Vous êtes capable de tout. C'est simplement parce que vous êtes trompé. Vous avez confondu, vous n'avez pas compris ce qu'on vous a demandé dans la tête. C'est difficile dans la vie de repères concrets. Est-ce que moi, un peu ce que j'appelle aux jeunes que j'entraîne, je leur dis la relativité, c'est super important. Et je pense que dans la prison, c'est la même chose. Il faut savoir être juste avec soi-même et juste avec les gens qui sont face à vous. Et ça, pour avoir ça, il faut avoir une vraie vision de la vie claire et des hommes en général. Je pense que c'est un endroit où nous, on aurait pu se retrouver si on n'avait pas fait les bonnes rencontres au bon moment. Parce qu'il y a des moments où, étant donné que... Que le sport, quand même, ça nous a mis... Une bonne ça nous a quand même sauvés, mais en attendant, on a quand même fait des rencontres. Et qu'il y a un moment, on aurait pu choisir d'aller d'un côté ou de l'autre. Et qu'on a choisi de rester du côté du sport. Vous allez aussi, vous faites 3 par 3. Faut vraiment que vous goûtez bien l'exercice. Comme ça, ici, tout le monde sur la même ligne. Il faut rester droit. Ce que tu apprends là, c'est apprendre à réussir. Parce que c'est quelque chose que tu as déjà réussi. Donc la répétition là, c'est juste pour t'apprendre, pour te confirmer que tu as tout moment, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment,
à que n'importe quelle raison, cette distance-là, tu la contrôles. Ça veut dire que si tu travailles l'endurance et que tu commences à rater, tu vas penser, quand tu vas arriver dessus, tout ce que tu as travaillé avant ne servait à rien parce que tu as réduit tes capacités, ta confiance en toi. Okay. Et ta confiance doit être toujours à 90. Et pour être à 90, tu dois toujours réussir. Donc, vaut mieux moins faire parce que c'est un exercice de propreté, c'est pas un exercice d'endurance. Okay. Tu vois ? Ouais. C'est bien, là, t'as sorti tes ailes, là. C'est incroyable qu'on trouve ça dans les prisons, c'est ça que j'hallucine. Non, parce que si on regarde bien, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est con, mais dans l'attitude, dans l'investissement, dans l'entraînement et tout ça, et puis même comment ils résonnent et tout, bah c'est... On dit que c'est des mal-aimés de la société, mais moi, je pense pas que c'est des mal-aimés de la société, c'est des incompris. Pour moi, beaucoup, il y a certains. De ceux qu'on a eu là aujourd'hui, en tout cas, moi, je trouve que, c'est, quand je dis des incompris, eux ne comprennent pas la société, peut-être la société ne les comprend pas. Mais en tout cas, quand je les vois, pour nous qui traînons beaucoup, qui reconnaissons beaucoup de gens, il n'y a aucun défaut. Il y a des erreurs peut-être de chemin de parcours de vie par rapport à leur jeunesse, mais ils n'ont pas pris de choix, je pense, encore. Ils sont pas... c'est pas des perdus. Donc, suite à notre fameuse réunion du conseil d'administration, donc monsieur le président, monsieur le vice-président, monsieur le trésorier, madame la secrétaire. Donc ça, c'est la lettre pour le changement de siège. Donc on l'a mis ici, hein, comme on avait dit au départ, je crois qu'on est à local. Ouais. D'accord ? Ok, d'accord. Alors ça, tu signes. Tu fais ta nouvelle signature. Je voulais juste te dire qu'il faut fixer le montant de la cotisation pour les membres bienfaiteurs. Parce qu'il y a moi, il y a pas mal de gens comme ça qui s'entraînent pas, mais qui vont cotiser en fait pour faire fonctionner l'association. Donc il faut définir c'est combien. C'est au minimum le montant de l'assurance, parce que si un jour ils ont envie de faire un entraînement comme ça, machin, au minimum l'assurance. Moi je pense que les jeunes, ils ont des difficultés pour avoir de l'argent, et s'ils ont besoin de faire du sport, l'association est là pour les aider par rapport à ça. Ces gens-là, l'assurance, même pour eux, moi je dis franchement... Non mais c'est bien qu'ils soient couverts, hein. Non mais ça c'est obligatoire, là. Non mais ce qui est pratique, c'est l'assurance, c'est obligatoire. De toute façon, il n'y a pas de lézard, c'est ouais. Ça je le note. Donc avant de parler simplement de ça, moi je parle du profil des adhérents. Moi je pense qu'il faut absolument qu'on ait ce droit-là de refuser des gens parce que... le droit de refuser, il y est dans les statuts. Vu que nous, ce qu'on veut faire, c'est quand même la pratique la rendre universelle. Donc nous, on est obligés d'être super carrés sur ce truc-là, de vraiment dire, bon bah vous inquiétez pas les gens parce que nous... On fait pas venir n'importe qui, on n'apprend pas à n'importe qui. Juste un deuxième truc par rapport aux cartes entre ceux qu'on considère qu'ont plus d'un certain nombre d'années de pratique et qui peuvent bouger à l'extérieur
et que les autres, ils ont une carte qui confirme bien qu'ils ne doivent pratiquer l'art du déplacement que dans l'association. Comme ça, s'ils pratiquent à l'extérieur, on n'est pas non plus responsable. On se protège automatiquement. Ouais, d'accord. Et si les gens, ils veulent pas suivre, eh ben, ils dégagent et puis c'est tout. Hein. Voilà. Bon, allez. Regardez-les, les statues. C'est okay. Les nouveaux, c'est ceux qui ouais, sont... Ça, c'est la copie de ceux qui ont été signés, donc ça vous aidera. L'association Yamakasi a été constituée en même temps que le groupe. Son but, éduquer les jeunes et créer une fédération sportive internationale. Mais l'art du déplacement est un sport un peu particulier, sans compétition, sans règles et sans terrain de jeu spécifique. Et pour garder le niveau, c'est entraînement, 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 jusqu'à 6 heures par jour. Pour Laurent, pour William et moi, c'est pas un sport, c'est une forme de vie. On a besoin de ça, on avance avec ça. C'est qu'on marche et on fait, quoi. On avance, on le fait. On se rend même pas compte, mais on avance. On a toujours ce regard-là de se dire... C'est que les gens, ils regardent devant eux, mais nous, on regarde en l'air. C'est tout. Voilà la différence. On regarde en bas, sur le devant, en l'air. C'est ça. On a cette curiosité de se dire, l'environnement, c'est ça. On a toujours... Et tous les gens qui viennent, qui nous côtoient petit à petit, qui commencent à parler avec nous, qui commencent à bouger avec nous, bah, petit à petit, ils ont ce regard-là. Le regard change. Tu vois, c'est qu'on a toujours vécu dans cette culture de recherche, d'apprendre. Donc se dire, oui, on va faire... On a fait des jeux comme ça, oui, on peut faire comme ça, on peut faire ci, on peut avancer accroupi, on peut monter debout, on peut faire... C'est tout, c'est petit à petit, c'est le chemin habituel.
Bah là, en fait, c'est le premier saut, c'est important, c'est trouver ses marques. Comme c'est la première fois, en fait, ça fait 5 ans que je passe devant et je me suis dit, ouais, je vais pouvoir, faut que je le fasse. Et là, aujourd'hui, en fait, j'ai l'occasion de le faire. Et là, je me dis, faut que vraiment que je trouve mes marques. La peur dans la pratique, je pense que c'est à la fois un allié et aussi un ennemi. Parce que comme on dit, être fou ne veut pas dire être téméraire. C'est rester ludique, rester lucide. C'est se dire, oui, voilà, cette peur, elle est là. Quand tu fais un saut, t'es tout seul, déjà. Et cette peur, elle est là pour te dire, oui, fais attention, il y a ça comme danger, il y a beaucoup de choses. Et c'est ça, c'est être conscient des choses. C'est ton allié, mais aussi ton ennemi. La différence. Le premier saut, il est propre, nickel. C'est la différence du premier saut. Ouais. Là, l'énergie, elle était là. C'est vrai. Ở trên đó, cho nên mới biết là tụi con làm. En fait, elle expliquait que avant, elle savait pas. C'est seulement le jour où William il a demandé d'arrêter l'école. Où elle a su que ça commençait à devenir sérieux, ce qu'on faisait. Et en fait, elle n'a jamais vraiment su, quoi. Et là, petit à petit, elle a su, elle a vu des choses. C'était au reportage, les premiers reportages, quand on a commencé à faire des télés. Et aussi, quand ma bière, mi to quand l'âme, ma cosa, tu en mets to quand... Ça. Le tu oublies, elle a eu peur. Tại vì mỗi lần thấy con... nhảy từ ở trên cao này kia thì sợ giống như má đi coi tụi con làm ở sân khấu này kia đó thì má cũng sợ nhiều lúc không có dám theo tụi con đi làm là vậy với má có một mình mà cho nên má thấy tụi con làm được công chuyện của tụi con cho nên má cũng mừng cho tụi con má không biết như thế nào nữa bây giờ. Bon, en fait, elle était très fière de nous. Elle part pas espoir, elle part pas courage. Elle est toujours là. Pour moi, c'est la personne qui m'a montré qu'il faut jamais baisser les bras, même quand c'est dur. Faut pas baisser les bras, même si parfois elle a baissé les bras, mais elle est remontée. Pour moi, c'est ça le truc, quoi. Même dans les plus durs cas, faut pas baisser les bras. Ça serait Yamakasi. Elle nous aurait déjà battu. Imbattable. Ça va, là, il se rend pas compte, c'est bien. Parce que... Ouais. Vas-y. Prends un pied, les gars. Et fais pas, parce que je veux plus dire.
il y a eu le spectacle de Notre-Dame de Paris. Certains d'entre nous ont été repérés. Ils ont passé un casting. Ils sont entrés dans Notre-Dame de Paris à Paris, parce que c'est là que ça a commencé. Et après, il y a eu la possibilité d'aller à Las Vegas, et Yann et moi, on y a été. Ça s'est passé à Las Vegas, on était à l'hôtel, j'ai eu ce truc. J'ai un gros coup de chaleur, j'ai vraiment chaud. Et j'ouvre la fenêtre, je fais quelques pompes. Et je dis, oh là là, j'ai encore plus chaud. Bon, bah j'arrête. Je vais dehors, j'essaye de m'aérer, machin, je reviens, et je dis, bah c'est pas grave. C'est pas grave, je vais refaire quand même quelques pompes. Et là, à ce moment-là, quand je le fais, eh ben, je sens un truc, gros... Un truc au cœur, un truc à la tête, machin, un truc... Ah, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'était pas normal, parce que je vais jamais chez le docteur. Donc, si j'y vais, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et là, j'ai dit à Yann, il faut aller chez le docteur. Finalement, bah oui, le truc que j'avais, c'était grave. Et bah oui. Il a appelé pour m'emmener à l'hôpital, nanana, nanana, tout ça. Donc, je suis parti là-bas, ils ont fait tous les petits trucs pour regarder où est-ce qu'il y avait un problème et tout. Et puis bah, là, ils ont... Là, après, c'est tombé. C'est une rupture d'anévrisme. Mais ils ont eu du mal à la trouver quand même. Après, ils ont opéré, et puis voilà, quoi. Quand je suis revenu faire les entraînements, faire les marches, faire tout ça, j'avais des trucs bizarres. Et je suis parti avec des fois en me disant, peut-être, je reviens pas de l'entraînement. Et si je sais que si moi, j'avais dit ça avant... À Yann ou à Chou ou à William, bah si tu restes à la maison, tu restes à la maison, ça. Tu vas pas à l'entraînement. En tout cas, pour l'instant, ça me donne raison. Si j'avais pas fait ça, je serais pas là aujourd'hui en train de m'amuser. Parce que si j'étais resté au truc, oulala, j'ai les vertiges et ça, c'est bizarre, machin. Fou. Et en plus de ça, la grande chance, c'est que j'étais entouré de fort. Donc je pouvais que ressortir fort. Le but, c'est quand même que t'arrives à être fort là, c'est la même force qu'il faut appliquer pour un autre, pour résister au problème, pour passer, c'est comme... Ouais, c'est... On passe les obstacles, la vie, elle est aussi faite d'obstacles. Et donc, il faut appliquer la même mentalité. Si on est un guerrier, on est vraiment un guerrier, alors on est un guerrier partout. On n'est pas... C'est pas un costume. C'est pas, je mets un habit, ah là, aujourd'hui, je suis guerrier, je suis au sport, et je sors du sport, j'enlève mon costume et... J'ai tout oublié. Et il faut que ce truc-là, cet esprit-là, il faut que ce soit toujours là. Il faut que la pratique de l'art du déplacement telle que nous la défendons, elle doit nous survivre. C'est ça qui doit survivre. Nous, on va s'en aller. Hein. C'est comme ça. C'est la vie. Mais ça, il faut que ça reste. C'est mieux. Pousse sur tes jambes. Pousse sur tes jambes et garde les jambes groupées jusqu'à la fin. Parce que toi, t'atterris. T'atterris. Dès que tu vois le rocher, il arrive, t'envoies une jambe d'abord en avant et l'autre, elle reste derrière, elle fait plus rien. Voilà, c'est mieux. Refais-le tout de suite. C'est beaucoup mieux. Pousse sur tes jambes. Non, refais-le, c'est pas grave. Déplie pas ta jambe. Maintenant, il faut que si tu le refais, si c'est pour refaire la même chose, tu le refais pas. Si tu le refais, là, je veux que tu gardes tes deux jambes groupées. Il n'y a pas une jambe qui se détache, qui fait quelque chose toute seule. Donc là, quand tu y vas, tu pousses et tu gardes les deux jambes jusqu'à la fin. Ça, c'est mieux. C'est juste que comme tu as peur d'y aller, tu mets pas ta vraie détente. Mets ta vraie détente. Allez. Bah voilà. Non, refais-le. Refais-le. C'est comme si ça continuait. Mais c'est beaucoup mieux là, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est bien Jessica. Si tu penses que tu refais la même chose, tu refais une deuxième fois. Change pas d'avis, allez. Ouais, c'est bien. À
Bah, le destin, souvent, on a plutôt tendance à être beaucoup plus simple et de se satisfaire de peu. Et qu'après, avec le temps, on a un peu tendance que... Bah, ça, c'est aussi l'environnement qui nous entoure, hein, à se dire que c'est vrai que ce qu'on recherche de vraiment merveilleux, le vrai bonheur, bah, il se trouve à l'extérieur. On pense souvent que c'est dans la réussite, dans l'argent, dans le succès, dans la renommée. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, c'est là, quoi. Mais c'est comme disait Agnès, c'est tellement près qu'en fait, qu'on n'arrive pas à le voir. Parce que c'est trop près de nous. Parce que c'est là. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit parfois, c'est quand tu bouges, que ça soit aussi fort, que ça soit un gros saut, un saut d'immeuble et tout, le truc qui est très important, c'est de savoir vraiment, c'est être tranquille, être simple. C'est-à-dire que tu le fasses, que tu le fasses pas, c'est d'être bien. Une fois que tu es bien, tu verras que tu verras vraiment les choses clairement. Et être bien, ben, c'est là qu'il faut vraiment, c'est pas en courant, c'est pas en t'agitant, quoi. C'est vraiment être opposé. Tu regardes la course. Ça va? Ouais, tu vois. Ok. Si j'arrive juste à tourner autour de toi. J'y vais. Allez. Tu ramènes plus les bras. Si tu ramènes vraiment plus les bras, ça... Les bras. Ça, tu tires. Ça, toi, laisse ça emporter. Alors, tire un peu. Mais bon. On peut à la fin. C'est vrai. Donc, la je fin. Sais pas. Tu vois le drapeau, comment ça fait? Ouais. Hop là! Vas-y. Tu fais le singe. Ouais, c'est bien. C'est bien ça. Ouais, c'est joli. Bien. On va voir là-bas. On continue. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. C'est comme une fois, j'ai vu l'expo de Miro, c'est ça, avec toi? C'était Miro. J'avais vu un peintre. Je me rappelle que son tout dernier tableau, c'était un point. Je me disais, mais pourquoi on dit c'est un super peintre, ce gars-là? Moi, j'en fais plein des points, moi. J'en fais partout. Et tu vois, c'est un super peintre. Et que c'est vrai que quand j'ai vu son évolution, je lui disais, lui, il a fait un point parce qu'il ne savait pas dessiner. Et quand j'ai vu ses premiers dessins, mais c'était des œuvres d'art. C'était des bonhommes super bien détaillés, des paysages, des choses. Mais c'était vraiment extraordinaire. Pour moi, c'était comme si que moi, je voyais une photo, ses dessins. Et puis, je regardais son évolution et petit à petit, il y avait de moins en moins de choses. Je faisais moins attention à l'extérieur. Et puis je me disais, ah ben là, ça m'a touché vraiment, son petit point. Je me disais, ah, en fait, c'est ça. Tout abandonné, quoi. Mais que c'est un instant de vérité. Pour moi, c'était comme si il y avait tout plein de mensonges autour, mais il a mis un instant de vérité. Et ça a tout cassé. Ça suffit. Toujours voulu voler, et ça c'est vrai qu'aussi je pense que moi je trouve voler en haut, c'est, y a rien de tel de mieux, je sais pas, tout le monde rêve de voler, hein. Moi je connais pas quelqu'un qui veut pas voler, c'est normal, on veut un peu pas défier les lois de la nature, mais je sais pas, voilà quoi, moi c'est ce que je vois, moi je vois ça comme ça. Que tu sautes d'une marche ou que tu sautes d'un immeuble, l'art du déplacement reste le même, c'est la façon de te mouvoir dans l'espace, dans la hauteur. Quand tu sautes, tu es dans le vide. Mais le vide, tout est relatif dans le vide. Il y a la haute... C'est une question de hauteur, tu peux te casser la figure d'une marche, comme tu peux casser, ouais, de casser la figure d'un immeuble, c'est pas... William, sur une certaine longueur de tout est relatif saut, dans le... Oui, c'est ça. Alors, effectivement, que... tu te tues d'un immeuble. Voilà. Ça arrive de tomber... C'est simplement le danger qui rentre en jeu, quoi, mais, voilà. Mais que c'est vrai que ça soit en haut,
ou en bas, faut bien le faire, quoi, la chose. Et que c'est vrai que... comme moi, c'est marrant, parce que quand moi, j'entends, il y a... C'est un peu tes... Voilà, c'est ça. Tes parents qui disaient voilà, à peu près pareil. Ouais. Ouais. Moi, d'après ce que Gaël me dit, c'est que tu les forces jamais à sauter. Quand ils veulent pas vraiment faire le saut, tu les forces pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient sûrs de le faire pour qu'ils puissent le faire, pour qu'ils puissent sauter. Quoi. Ouais. Si ils se sentent pas faire le saut, ils le font pas. Ouais. Voilà. Tu les forces pas là-dessus. Ah non, ça faut ça, pas. Surtout pas parce que surtout eux, quoi, surtout Gaël, Alexis, Nathaniel et tout. En fait, là, ils arrivent à un certain niveau où là, il y a vraiment beaucoup de danger, quoi. Ça va pour tout le monde? Vous avez un doute? Je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas s'apprendre au moins ce que je dis. Moi, je glisse au démarrage. Ouais, après, il faut bien mettre la vitesse. Commencez par paniquer, c'est exactement la même. C'est bon, je pars en deux. Roms. 3. 4. Alexis, 5. Et Nyx, dernier. Ça va, vous êtes prêts? Ça va passer. Tu pourras le dire qu'on est bon. Ouais. Hey. Pêche, bien pêche. Regardez pas le saut, faites comme si c'était le saut là-bas. Voilà. Là, on se fait plaisir. Voilà. Ok? On se fait plaisir, on se fait pêche. Voilà, on finit sur ça. On se fait plaisir. Là, il a poussé bien jusqu'au bout, mais il a glissé. Oh. Mais heureusement qu'il a poussé. Et après, il a atterri devant en roulade. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Faut pas attends, tu me fais peur parce que toi, des fois, tu fais des trucs bizarres. Ouais. Fais tester pour par un, les gars. Non, André. Derrière. Tu pousses derrière. Tu vas jusqu'au bout. Si t'as un doute, tu pousses ici. Les gens qui le sentent pas, ils le font pas. Comment pour toi? Tu viens les pieds? Ça va les pieds? Ok. Je vois bien ce que William il met en avant. Ouais. Est-ce que vous deux vous mettez en avant? Ça c'est clair. C'est chaque quand je vois les petits comment ils bougent et tout ça, c'est je vois vraiment que William il met vraiment sur la technique, sur l'agilité, vraiment c'est sa base première quoi. Nous ce qu'on a pratiqué c'est les mouvements de base, c'est les mouvements de survie. Hein. La pratique avant elle était utile. Bah, l'esthétique. Elle est servie. Faut que tu prennes en compte que l'esthétique, il y aura beaucoup de gens qui vont rentrer pour l'esthétique. Faut leur montrer c'est quoi l'utilité de ça. Ça, je dis, faut pas zapper ces choses-là. Non, comme on le zappe pas. Voilà, c'est pour ça qu'on a travaillé dessus. On suit la tendance. Comme tu dis, William, c'est que la nouvelle génération, ouais. C'est eux qui vont apporter les nouvelles choses. Toi, voilà. Tu t'as montré des choses que... Parce que nous, on est arrivé sur un cap à un moment donné. Voilà. Mmh. Toi, t'as eu tes idées, t'as rajouté des choses. Mmh. T'as innové. Pour moi, il y a des choses que t'as innové. Ouais. T'as pensé, t'as réfléchi. Mmh. Mais il y en a beaucoup, bah, ils arrivent, c'est vraiment que l'esthétique. Après, quand Chou dit oui, tes mains elles vont saigner, ça va saigner, tu vas avoir la corne ici, tu vas voir ça. Et ben, ils veulent pas de ça, ils veulent pas de ce truc-là. T'es obligé d'avoir une culture de l'effort. Mmh. Ça veut dire qu'involontairement, on dirait qu'il y a une sélection naturelle. Mmh. C'est-à-dire quelqu'un qui est douillé n'ira jamais chez nous. On peut lui apprendre, il peut goûter, mais il ne durera pas chez nous parce que c'est pas le feeling qu'il a. Comme tu dis, le goût de l'effort, faut que tu le goûtes. Pour moi, c'est vrai. Tout ce que tu dis, c'est vrai. J'ai vu parfois le regard des parents et je me dis, c'est vrai que... Ils ont peur. Il faut que je sois vigilant sur certaines choses. Tu vas dire qu'il faut que je sois prudent. Moi, je te dis, hein, sérieusement, c'est comment j'ai fait monter un jeune sur un immeuble
qui risque sa vie, tu vois. Moi, je veux juste qu'ils comprennent comment on fait un saut, qu'ils puissent l'expliquer aux gens lorsqu'ils vont transmettre. Et ça, c'est important. Et puis, c'est comme dit Laurent, il y en a qui viennent d'Evry, d'autres de Lonne, l'autre aussi de Sarcelles. Normalement, c'est des banlieues qui s'entretuent parfois. Mais eux, tout se passe bien. L'art du déplacement s'est propagé au-delà des banlieues. Il est maintenant pratiqué dans plus de 50 villes à travers le monde. Partout, des jeunes gens courent vers le futur, traçant un nouveau visage de la ville et partagent improvisation, grâce, force, liberté et plaisir. Où cela va-t-il les mener ? Personne ne peut le dire.